Ainsi, le bilan de ces derniers. Trois attaques ont été effectuées par les bourses. Une au nord et deux au sud, à l'ouest et à l'est. Ils proviennent de ce chemin. Et on a de quoi tenir ce siège ? Pas très longtemps. Ici, on peut tenir 3 jours tout au plus. De même ici, mais là, nous sommes en pénurie. Bon, faut qu'on se débrouille de ravitailler tout ça en attendant que nos alliés britanniques arrivent. Mais cela risque de prendre du temps. Et sinon, pour nos patrouilles d'éclaireurs qu'on a mis un peu partout dans la ville, comment s'en sortent-elles ? Elles s'en sortent, mais nous manquons cruellement d'effectifs. Et bien à ce propos, j'ai trouvé une solution originale. Suivez-moi. Non, regarde ces deux enfants là-bas, qui jouent. Ça fait un moment que je les observe, et ça se voit, ils ont envie de faire quelque chose pour leur ville. Ils nous suivent, ils nous regardent avec envie. Je pense qu'ils pourraient nous être utiles pour transmettre des lettres ou des informations. T'en penses quoi ? Je suis d'accord, faudra que tu les convoques. Eh ben, convoque le garçon là-bas dans mon bureau, je l'attends d'ici 10 minutes. Hé, toi ! Arrête-toi ! Entrez. Monsieur ? Oui, jeune homme. Venez vous asseoir. Allez-y, allez-y. Comment t'appelles-tu ? Warner. Warner Goodyear, monsieur. Robert Baden-Powell, enchanté. Ça fait un moment que je t'observe et j'aimerais que tu me parles de toi, tu m'intéresses beaucoup. Qu'est-ce que t'aimes faire avec tes amis ? Je vous intéresse, monsieur. Ah oui, parle-moi de vous. C'est que... Oui, bah j'aime beaucoup jouer avec mes amis, enfin, à la guerre, oui. Oui, j'ai vu ça. Et si t'avais un grand rêve, qu'est-ce que ce serait, ton plus grand rêve ? Oh, plus tard, j'aimerais devenir militaire, comme vous, monsieur. Pour défendre cette ville ? Bah, j'aimerais bien défendre cette ville, mais seulement, au moins, mes parents, ma mère me laissaient approcher... Tes parents sont pas un problème. ...de vous. Voilà ce que je te propose. Déjà, quel âge as-tu ? 14 ans. Parfait. Toi et tes amis, t'as combien d'amis environ ? Oh, ceux avec qui je joue, bah, j'en ai environ 10. Très bien. Eh bien, je te laisse 3 jours pour parler à tes amis de ça. Je vous propose de devenir militaire. Alors, t'imagines pas tenir des fusils et tirer sur les lignes ennemies ? C'est pas du tout de votre âge. Mais vous serez sur des choses qui nous seront très utiles et qui ne vous mettra pas en danger et que seul vous, enfants, pouvez faire. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire, je sais pas, transmettre des messages à d'autres villes, courir, faire observer l'ennemi d'un autre point de vue. Et on pourra s'approcher des soldats ? Non. On verra ça plus tard. Donc je te laisse 3 jours, t'en parles à tes amis, dans 3 jours tu reviens et tu me dis... Combien d'amis sont d'accord pour ça ? C'est ok ? Oh mais ils seront tous partants, monsieur. Eh ben c'est parfait. Eh ben dans 3 jours. Au revoir, Goodyear. Au revoir, monsieur. Monsieur, monsieur, monsieur. Oui. Goodyear. Oui, Goodyear. Oui, monsieur Baden-Powell. Je suis prêt. T'as trouvé des amis qui seraient intéressés par mon offre ? Oui, ils sont beaucoup. Ils ne sont pas une dizaine, ils sont une trentaine. Je suis très fier de toi. Voyons tes connaissances. Est-ce que tu sais utiliser une boussole qui vous sera très utile ? Une carte ? Une tente ? Je suis désolé, monsieur. Bon, c'est rien. Dis à tes amis, rendez-vous ici demain, même heure, pour commencer l'entraînement. À demain, Goodyear. Monsieur. We'll be right back.
Garde à vous. Messieurs, maintenant que votre entraînement est terminé, vous allez pouvoir passer à l'acte. Sergent Goudière. Monsieur. Demain, dès l'aube, vous irez sur cette colline, vous observerez l'ennemi qui est censé passer sur ce chemin. Vous ferez un bilan à la fin de la journée. À vos ordres, mon colonel. Soldat McCain, vous ferez la transmission entre ce point-là et ce point-là, sans vous faire repérer, bien sûr. Vous reviendrez le lendemain me faire un rapport. À vos ordres, mon colonel. Garde à vous. Rompez. Merci McCain. J'ai une nouvelle mission pour toi. Tu vas chez l'ennemi, tu rentres par ce flanc. Dans le loin, il y a deux sentinelles qui gardent. Tu passes, ils ne feront pas attention à toi vu ton jeune âge. Et tu dois essayer de recueillir un maximum d'informations auprès des états-majors ennemis pour la prochaine bataille qui ne serait tardée et qui sera certainement décisive. Oui, mon colonel. Halt ! Qui va là ? Je suis venu rejoindre ma mère qui est dans le campement. Hors de question, personne ne rentre. Mais laisse-le passer, c'est un enfant. C'est pas comme s'il allait récupérer des informations. Yeah, il a 8 ans tout au plus. Ouais. Allez, vas-y, passe. Les autres, on les laisse pas passer. C'est, on fait diversion par le village des indigènes à l'ouest et on envoie notre cavalerie en force à l'est. Qu'en penses-tu? C'est bien, général. Ingénieux, très ingénieux. Merci, j'en aurais pas dit moins. Donc, d'après l'information de Goudière, la bataille se déroulera dans cette zone, ici même. D'accord, il faudra donc mettre beaucoup d'hommes afin de les recevoir. De plus, McCain est allé chez l'ennemi et m'a rapporté qu'ils feront diversion par le côté est. Il faudra donc saisir cette diversion sans mettre trop d'hommes et vraiment concentrer les hommes sur ce flanc. Parfait. Voilà, grâce à ces jeunes cadets, nous serons enfin prêts pour cette grande bataille. Oh, c'est énervant de monter la garde avec un ennemi. Il n'arrive pas. Les bourses, ils arrivent. En position. Attendez.
tous des questions sur le livre. Il n'est pas assez complet. Faut que je mette... Ils me posent plein de questions sur comment vivre en nature. Ils veulent toujours plus apprendre. Mais je peux pas leur répondre par lettre. Enfin, je peux pas tout leur expliquer par lettre. C'est pas possible. Il y a trop de choses à apprendre. Faudrait faire quelque chose de concret. J'ai pensé, vois-tu, à les emmener 2 semaines dans la nature. Je sais pas, d'un groupe de 20, 30. Où on pourrait leur apprendre à se repérer, à savoir vivre en fait dans la nature, oui. Faire des feux et tout. Bah, un peu comme on a appris à nos jeunes à Mufking, c'est ça. Et du coup, je réfléchissais à un uniforme et qu'ils pourraient avoir pour qu'ils se reconnaissent. Et je me disais, pourquoi pas celui de la police sud-africaine. Très bonne idée. Donc tu vois, un quatre-bosses, un foulard, une chemise beige et un short bleu. Pas mal. Bon, du coup, faut qu'on rédige des réponses quand même pour tous ces jeunes. Bon, on rédige une réponse et ils auront tous la même réponse. Hein. On va pas s'embêter. Chers jeunes, voici réunis en ce juillet 1907 sur cette île au sud de l'Angleterre pour réaliser ce que vous rêvez tant depuis que j'ai écrit mon livre et que vous l'avez lu, bien sûr. Je suis heureux de vous voir. Cette vingtaine qui a soif d'aventure et de toujours plus apprendre. Nous allons donc passer 2 semaines sur cette île afin d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau, que ce soit faire des constructions dans les arbres, savoir faire des feux, savoir se repérer. Bref, vous ressortirez de ce camp totalement changé. Pour cela, je vous diviserai en 4 patrouilles de 6. Il y aura le loup, le corbeau, le taureau et le courlis. Le Daily Star, un camp de 2 semaines d'adolescents sur l'île de Bruncy avec Badon Poel inédit. Demandez le Daily Star. C'est parti. Oui, monsieur. Très bien, ton brève. Ça fera 3 pence, monsieur. Très bien. Demandez le Daily Star. Entrez. Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. En personne, votre majesté. Enchanté de faire enfin votre connaissance. Moi de même. Je vous dois vous annoncer une nouvelle très importante. Je vous suis de tout oui. Après vos exploits militaires, vous êtes promu chef d'état-major. Oh, votre majesté, c'est un grand honneur d'être promu, mais si jeune, chef d'état-major. Mais je vous avouerai que, en ce moment, ça fait quelques jours que je réfléchis et je suis en pleine hésitation entre rester à l'armée, je pourrais très certainement faire de grands exploits, mais d'un autre côté, je me sens appelé aussi à aider ces jeunes qui ont soif de toujours plus apprendre à vivre dans la nature et à être autonome. Je suis tiraillé, votre majesté. Comprenez-vous ? Vous savez, j'ai lu votre livre et j'ai connu l'enthousiasme de ces enfants à propos de la nature et du scoutisme. Et je vous encourage à continuer sur la voie du scoutisme. Votre majesté, si tel est votre désir que j'aide ces jeunes et que je fasse connaître le scoutisme partout dans le monde afin que chaque jeune dans le monde entier puisse bénéficier de ces avantages, alors je pose ma démission de l'armée afin de consacrer ma vie au scoutisme. Monsieur. Votre Majesté, ce fut un honneur.